Choubidou, bidou. Ah. Coucou, bibi, doudou. Bon, alors je vais vous faire rire. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai pris un an de plus, bon, c'est sûr que j'ai mes racines qu'il faut que je fasse, mais j'ai l'impression que je rajeunis, mais c'est dans la tête. Vous savez que dans ma tête, j'ai toujours 37 ans. Voilà, faut le savoir. Vous voyez, on m'a mis un ami, on m'a fêté ça. Joyeux anniversaire, ma tata, pour tes 37 ans. J'ai pas du tout 37 ans, loin de là. Hein. Voilà, mais je voulais vous dire. Et puis là, j'ai Alain qui est venu à la maison. Il est encore là, il vient ce soir. Et il m'a offert ceci pour mon anniversaire. Oh! Attendez. On est en train de se perdre. Voilà, regardez. Cotton Dream. C'est belge. Et regardez comment c'est joli. C'est là. La... Ça sent super bon. Oh mon Dieu. Et puis regardez la petite bougie, c'est une chourie. Et ça sent super super bon. Il est adorable, franchement, c'est un amour. Allez sur sa chaîne, Alain. Il fait la vérité qui dérange, il fait la chronique parfumée, j'adore. Parce que quand il décrit un parfum, il le décrit avec amour, avec poésie, une poésie, genre. Ce parfum est envoûtant. Mais je ne sais pas le faire, moi, ça. Donc ça, c'est action, action, réaction. On fait des retours de course, mais une autre fois, désolé. Mais je peux vous montrer juste un petit truc, si vous voulez le voir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous n'aurez pas plus. Alors, ce que je me suis fait à midi, je me suis fait, non, ce que j'ai été acheter, c'est du taboulé avec des fèves, avec de la mâche, avec des carottes, avec du saumon, avec une vinaigrette balsamique et puis des graines. Mais franchement, je pense qu'il n'y a personne qui met des graines, des noix de cajou, des trucs comme ça. Moi, j'ai mis des noix de cajou dedans. Eh bien, je ne vous dis pas, c'est délicieux. Non, si, je vous le dis, c'est délicieux. Bye. Donc, on y va. Je suis allée à Carrefour. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit truc. Ma collègue, une de mes collègues. Franchement, au niveau du travail, maintenant, ça se passe super bien. Je me suis expliquée avec une collègue et on a super bien parlé. Et je pense qu'on va super bien s'entendre. Donc voilà, donc c'est vraiment, franchement, je suis très très contente. Alors ceci, on me l'a offert. C'est un gâteau, gâteau. C'est un œuf en chocolat. C'est le premier que j'ai eu de Pâques et avec Dorta. Et franchement, c'est trop mignon. Alain, hier soir, je lui ai fait. On est ach allé acheter des petits croque-monsieur, croque au saumon, et puis une pizza aux quatre fromages. Et puis je lui ai fait une petite salade tomate avec des oignons rouges, avec des herbes, et puis une super salade de fruits avec ananas, mangue. Myrtille fraîche, framboise, non, il n'y avait qu'une framboise, c'était plus de framboise, fraise, grenade. Bref, c'était délicieux et j'ai mis un petit peu de jus de framboise dedans, c'était délicieux. Donc ce soir, nous allons manger un poulet rôti, certifié rôti. Bah oui, bah, je ne vois pas pourquoi c'est marqué poulet certifié, ça va être un poulet label. Il était en promotion. Donc ce soir, on va manger ça. J'arrête de faire des bêtises, sinon ça coule. Je vais encore mettre pas. Je suis la spécialiste. Une fois, j'ai pas mis la vidéo. Si vous voulez, je vous la mettrai. J'étais en train de présenter et en fait, j'avais acheté à KFC un menu, quoi. Et il y avait la coca et le coca s'est renversé. J'avais des frites. Le coca était dans les frites, mais je me suis dit, mince, je vais quand même manger. Donc vous me voyez normalement manger les frites au coca. Mais le truc, pourtant elle est super marrante la vidéo, mais bon j'en ai tellement que je fais tellement. À chaque fois je vous fais des vidéos, à chaque fois je vous fais un retour de course et je ne les mets pas forcément. Si vous voulez que je les mette sans montage, je le ferai. Dites-le moi. Voilà, et ça c'est. Ah c'est ça qui fuit, c'est le coca. Voilà. Dame Meg, bon ben je vous laisse, hein. La maison est pleine de coca. Il faut que je nettoie tout. Super, bravo. Je suis vachement contente. Alors on y va, hein, Sybille, tais-toi, 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 tais-toi. Ivy, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il faut que je montre quelqu'un. Un bébé d'amour. Va rester 30 secondes. Hein. Bonjour. Oui, regarde, regarde. Coucou. Mais coucou. Coucou. Voilà. Voyez, je voulais dire, reste 2 secondes. Hein. Elle n'est pas câline pour dessous. Si. Bon, on y va. Dans retour de course, au bout de 52, 53 secondes. On y va. Non, même plus. On y va. Alors, ceci. C'est des shebas pour dire je t'aime, bien sûr. C'est au saumon, au cabillaud, au thon et légumes et au poisson blanc et carottes.
Je lui ai essayé ça, j'ai payé ça 2,40. Ces fameuses petites soupes que tous les soirs elle prend, eh bien, j'en ai pour 2,78 € les 4 soupes. Donc ça me fait 4 repas. Et la journée, je lui donne ça très cher. En fait, c'est du pollo e melograno. C'est de la grenade avec du poulet, mais il y a 70% de produits animaux. Animal? Premium animal? Un animal, des animaux, donc produits animaux. Produits animaux, bon bref, comme vous voulez, hein, produits animaux. 70% de produits d'animaux. Animal. Bon. 30% de fruits et végétal et aucun grain. Voilà. Et ça, je vous dis que ça, elle adore. Mais à un moment donné, 22 €, 1,5 kg, ça fait quand même un petit peu cher. Donc, après, alors là, j'ai rien compris. Ça et ça, les trois, moi j'adore manger ça le soir avec des olives. C'est avec des olives, hein. Je ne me suis pas trompée. De toute façon, je m'en fous vu le prix. J'ai passé ça, j'ai passé le code, mais je pense qu'ils se sont trompés. Les trois, c'était normalement 3,07 €. Eh bien, ils sont passés à 1,95 € les trois. J'aurais dû en prendre plein parce que j'adore ça, je vous assure. Hein. C'est bon jusqu'au quand? 28 septembre 2019. J'en mange le soir aux olives, ouais. Vous vous rendez compte? Au lieu de 3,07 €, j'ai payé ça 1,95 €. Vous pensez bien que je l'ai pas dit à Carrefour, hein. C'est tant pis, c'est leur problème, c'est pas nous. Alors ceci, 1,07 €. Alors, tant que ma cuisine n'est pas faite, je peux pas vous le filmer, mais je vais faire un avocado. Alors, c'est-à-dire que je vais mettre du pain, c'est pas du pain poilane, mais je vais griller mon pain. Je vais prendre deux avocats, comme ceci. Voilà, 1 €, 2,39 € les deux. Le pain, 1,05 €. Je vais prendre deux avocats, je vais les écraser avec une fourchette. Je vais mettre du citron. Et là, j'ai trouvé de l'ail et du persil tout fait pour 2,17 €. Je vais le mélanger, je vais mettre des tas d'épices dedans. J'ai décidé de mettre, attendez, ceci. Ah, mais moi, vous savez, si vous voulez voir des recettes que vous n'avez jamais vues, faites allô, oui, allô, Sibylle. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est une sauce sucrée. Donc, je vais mettre un petit peu de ça, avec peut-être un petit peu de balsamique. Et je vais faire ma sauce. Je vais goûter. Après, si ce n'est pas bon, je me modifierai. Mais voilà, je vais mettre ça. Je vais prendre des haricots verts vapeur. Je ne sais pas si vous connaissez les haricots verts vapeur en boîte. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez Bon Duel. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Sylvie, arrête de te regarder. Mais... Mince, zut, flûte. Voilà. Ça, je l'avais acheté l'autre fois. Je ne sais pas, j'ai dû le payer 2,49 € quand même, ce truc-là. Parce que je ne l'ai pas acheté, je l'ai acheté dans un petit truc. Ouais, 2,40 €, j'ai dû le payer, mais je suis sûre qu'on peut l'avoir à moins de 2 €. Hein. Bref, c'est à la vapeur et ils sont délicieux. Et je vais les mettre avec ça. Ça m'évite de couper, vous voyez, la petite feignasse que je suis. Puis 2,17 €, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Regardez, tout est fait, tout est archi frais du jour. Une boîte de radis, 1 €. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est ma salade. De la truite fumée. Alors, en fait, je vais pas mettre du sel. Alors, je vais faire avocat. Alors, je reviens à ma truc, Sibylle, arrête! Pain grillé, avocat écrasé, avec ce que je vous ai dit, du citron. Avec la sauce sucrée, avec un petit peu de balsamique. Je vais mettre très peu de ça, mais vraiment très peu. Et puis, je vais mettre de la truite fumée. Alors, une fois que j'aurai bien écrasé, je vais mettre de la truite fumée. Voilà, et ça nous fera un petit plat. Et après, on aura le poulet. Voilà, on va manger deux plats, quoi. N'importe quoi. Ceci, pour ma fille, 1,40 €. J'ai changé, je l'ai pris au poulet. Parce que d'habitude, je prends au fromage. J'adore, j'adore, j'adore. Ce sont des sushis croque French, croque crunch. Ils sont super bons. Donc, je vais les mettre avec. Il repart demain matin. Hein. Je vous dis que n'importe quoi. Il repart demain matin. Mais il va manger, hein, je vous le dis. Hein. Par contre, je n'ai pas de dessert parce que je pense que c'est lui qui va prendre le dessert. Parce qu'il m'a dit qu'il allait faire des courses aussi. Parce qu'il est vraiment adorable. Franchement, il me dit, Sibylle, c'est normal, je participe, je vais faire des courses. Au fait, je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau pour mon anniversaire. Alors, j'ai eu une carte cadeau, Illicado, de 100 €. Vous voyez, la carte, elle est là. Et une autre carte de cadeau de 100 €. Ça fait 200 €. J'ai mon autre frère qui ne m'a pas fait de cadeau encore. Et j'ai le clou du spectacle, number one du number one. J'ai pleuré.
J'ai pleuré. Alors la vidéo, ça va être très compliqué à vous montrer parce que j'ai pas fait de vidéo. Je mettrai peut-être comme ça en close-up, comme on dit, un close-up. C'est Alain qui m'a dit, tu vas faire un close-up? Moi, je vais mettre un encart avec une photo. Non, un close-up. Donc je mettrai un close-up. Voilà ce qu'on m'a offert. J'ai pleuré. C'est une très bonne amie à moi qui m'a offert ça. Je vous dis pas, je sais, vous savez le prix, vous savez combien ça coûte. Franchement, c'est vraiment. Ah oui, puis ma mère m'a offert encore 40 euros. Voilà, franchement, il est magnifique, regardez. Mais il est sublime. C'est un guess. Elle m'a trop couru gâtée, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Sur ce, je crois que j'ai fini mon retour de course. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je crois que non. Je regarde encore dans mon rayon Action. Non, c'est Action. Alors voilà. Mais je vais aller ranger mes courses. Alors, est-ce que vous voulez que je le mette maintenant? Bien sûr, vous n'allez pas me répondre. C'est n'importe quoi. Vous n'allez pas pouvoir me répondre. Qu'est-ce que vous pensez de mon make-up du jour que j'ai fait en une minute? Il y avait Alain qui était là, il a rigolé aussi. Bon, bah sur ce, je la mets ou je la mets pas, j'en ai mis une ce matin parce que, en fait, ce matin, j'ai envie de parler avec vous, marrant, hein. Ce matin, j'étais dans le métro, j'étais toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, donc je me suis dit, j'ai fait tout le tour, j'ai fait je suis seule, et vous voyez pas, mais je dansais. Je pense que. Arrivé à un certain âge, ça s'arrange pas. Au contraire, c'est un peu la caca, la caca, la catastrophe. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Hein? Non, mais tranquillos, tu te grattes l'oreille et puis quoi encore? Ça, c'était Action. Je les adore. Je les ai plus jamais retrouvés. Je voulais en reprendre une autre paire, je les ai plus retrouvés. Bon, ben, sur ce, je voulais échanger mon téléphone. Je vous dis, on n'arrive pas. Combien de temps, là? 8h42. Je voulais échanger mon téléphone et du coup, je ne l'ai pas fait parce que j'ai tellement de choses dedans. Parce que Alain m'a pris des photos hier. Magnifique, franchement, je me suis trouvée super mignonne. Ouais, t'as pas les chevilles qui offrent, t'as pas le. Parce que là, vous voyez que ça, donc c'est cool. Mais si vous voyez là, c'est comme ça. Regardez, je mens pas, hein. J'ai grossi, hein. Non mais regardez ça, la grosse mère, j'ai grossi. Donc c'est mieux comme ça, non? Bon sur ce, mes choubidous, cette fois-ci, je vous aime, je vous dis I love you, je vous dis, je te quiero, ti amo. Et puis je vais. Vous savez ce que j'aime bien aussi, c'est faire comme ça. Voilà. Et puis bien comme ça, faut que je fasse mes cheveux. C'est peut-être Alain qui va me les faire. Voilà. Parce que Alain, maintenant, c'est sa maison, sa deuxième maison. Hein. Non, ben non. Ben non. Voilà, c'est mieux comme ça, voilà. Ben sur ce, je vous fais des milliards de bisous. Je vous aime et vous le savez que je vous aime. Je vais essayer de faire un petit peu plus de photos sympathiques, comme m'a dit Alain. Mais c'est surtout sur mon Instagram. Alors, si vous voulez vous me suivre, si vous voulez vous me suivre, si vous voulez, si vous voulez, qu'est-ce que moi j'ai dit? Si vous voulez me suivre, vous pouvez y aller sur Sibylle. Choubidou. Et là, sur mon Instagram, je fais des Insta tous les jours. J'ai fait un petit montage justement pour vous montrer ce que je fais tous les matins. Vous me voyez, deux fois de temps en temps le midi, et puis le soir. Voilà, et je poste tout le temps plein de trucs. Je raconte ma life. Bisous, I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Bye bye. Et surtout, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés et activez la cloche. Pas moi. La cloche. Ding, 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 ding. Bye bye. Ciao.